Boca Tanero. Ah. Il s'agit ici d'un partenariat entre la ville de Kinshasa, d'une part, d'autre part la société Reparoute, qui est venue de l'étranger avec un enjeu important, avec un nouveau système de bouchage des trous ici à travers la ville. Nous avons travaillé sur toutes les communes, mais dans un premier temps, nous allons travailler sur 11 communes. Il s'agit de la commune d'Agombé, la commune de Bandalungwa, la commune de Ngaliema, la commune de Kasabougou, la commune de Kalamou, de Ngiringiri, de Limete, et Lemba et celle de Maté. Alors, nous allons essayer de boucher tous les trous de ces 11 communes dans un premier temps. Ensuite, nous passerons aux 13 autres communes restantes. Là, société Reparoute, qui est venue de l'étranger, a amené ici à Kinshasa un nouveau système de bouchage des trous à froid. À froid, en deux temps, trois mouvements, on arrive à boucher les trous en ayant 5 minutes. Juste après, le véhicule est passé, donc ça limite les embouteillages et ça nous permet d'aller assez vite dans notre vision de Kinshasa Bobek. Il s'agit ici de rendre fluide la circulation à travers la ville de Kinshasa et surtout de boucher tous les trous dans notre ville de Kinshasa. Voilà. Impression d'anglais, il y a d'abord Essengo, comme on a contrat de signer avec la société Reparoute. Oui, outil musical, Namboka Papaya, Oyo Bazali na technologie ya Sika, on a ko zipa mabulu na kati ya ba nzela, makadam. Donc, contrat au signé de Bango Ezali, ya ko zipa mabulu na Kinshasa Mobimba, mabulu esila. Mais dans un premier temps, le quoi là, ba kouki ezamingite, to banana 11 communes. Ba commune wana Ezali Gombe, commune de Kinshasa, commune de Lingwala, commune de Barumbu, commune de Ngaliema, commune de Kitambo, commune de Bandalungwa, commune de Kasavubu, de Matete, de Ngiringiri et de Lemba. La commune Wanande, Turubanda, Zipa Mabulu Nyonso, il y a ma commune Wanasoto Silisi,
tout l'andi ba commune mususu erotika là 13 malem malembe tout en coba alors souci na biso ezali ya bozi pa mabulu nyoso les bonnes machines oyo bango baye nango ezali technologie ya sika ezali bongo ko salisa biso pour na bozi pa mabulu à froid donc ba réchauffer goudron té ba ko tia kaka mo ba kaya so mike mike wana et puis ba ziputé produit na bango ba 5 minutes après parmi tout cas et quoi les cas pe et kei bambouteillage il vous a soutenu tant aux autres la même salle et puis par rapport il y a l'Omeya ils allaient moins cher par rapport à système traditionnel autres ordonnances ah, Je suis parmi les personnes qui se sont sérieusement attaquées à la gestion des Ngobila. Ça c'est vrai. Mais je n'ai pas voulu rester dans le superflu. J'ai préféré descendre sur terrain. J'ai compris qu'à Kinshasa, il y a des choses qui se font. Donnons la chance. Au moins, nous remarquons qu'il y a des particularités. C'est matériel. Au lieu de laisser l'OVD faire, on a besoin de l'OVD, mais on a besoin aussi de la rapidité, d'un travail bien fait pour l'intérêt des Kinois. Vous voyez, j'étais de passage. J'ai vu ce qui se passe. Étant leader d'opinion, j'ai saisi l'opportunité. Je ne suis pas de Ngobila, je ne suis pas de l'hôtel des villes, mais je soutiens la politique du chef de l'État au travers le gouverneur pour accompagner les Quinois et que nos routes soient en bon état. Ce n'est pas facile, mais ce que fait Ngobila, je pense qu'il faut donner un peu de crédit. Jusque-là, pour un quinquennat, il y a déjà un bon décollage, donc je reste rationnel et c'est bon. Je demande à tous les leaders d'opinion, au lieu de chercher à critiquer, vu que la situation politique est très alarmante, il faut que les leaders d'opinion, nous descendons sur le terrain, afin de palper du doigt ce qui se passe réellement. C'est ça être un vrai leader. Critiquer à la télé, c'est bien, mais après, il faut descendre sur le terrain. Là, ça, c'est une merveille. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment de l'innovation. Je ne vais pas dire félicitations à Ngobila, mais c'est un travail bien fait. Pourquoi? Parce que le gouverneur Ngobila a une vision. Je reste rationnel, accompagnant des gestes comme ça pour aider nous, les Quinois, tous à Kamel Mbanzela, bientôt circuler librement. Réparer les trous parce que ça nous cause de sérieux problèmes d'embouteillage et puis de panne des véhicules, on perd des pièces et tout ça, il faut remplacer. Donc c'est une bonne chose. Vous souhaitez à vous m'annoncer à continuer au sale et puis à baguer sa liste au léca par rapport à autres alliés au monde. En tout cas, on a CP le monde en Nengue, Bokitina terrain et ça lui fait très plaisir à trop. Si tu places au Penda, ils allaient Penda ma bé à ma casse.
même moi tant la ngambo kuna ezaka ndenge moko donc to ko na moni boye ko sala boye en tout cas na sepeli pour continuer bon l'année la place nyo surtout mabule ezali et ça le biso sengo pour tout amola ndenge sengé be elongo bani la sepeli nango eza bonne initiative hein, quand même eza quelque chose de très important to banda ko souffrir mingi ne sale zo sale mais suivi eza te quand même suivi boye ça va longonya mo ya ya tata gouverneur ya ville à Kinshasa. Na sepeli na mangamu gouverneur na biso gentil ngobila sali po place wana mbutaje ya makasi. Ninga sali biso boye to sepeli. Tengai premièrement na sepeli na musala oyo gouverneur ngobila zali ko sala eza malamu. Parce que musala ya malamu ya onza me pa otombola pe musala na ye. Parce que nzamba zolo abike o nyezo to ko sala ya kobuka ka oyo ya sala. Na sepeli na musala o bazali ko sala musala mo beke liboso. Le CPI va s'en aller en boulot, tout le monde en route. Il faut pas ça là. Tout le CPI est déjà bien. C'est impressionnable. Nakolo Babongo, félicitations à M. le gouverneur Nabiso, à Kendeli Bosso. Papa, vous êtes là!